La journée de l'humain jaune de cristal, où les mages de la Terre se rencontrent et partagent leur sagesse pour influencer et libérer la volonté. On est aujourd'hui au lac du Cerf et nous allons rencontrer Claudine, une grand-mère galactique qui a activé toute sa famille avec le jeu de synchronicité. Je suis Vent Blanc de la famille lunaire. Je communique l'esprit par mon souffle. Je polarise en stabilisant les défis. Quand tu as appris que tu étais le Vent Blanc lunaire, ça fait déjà quelques années? Ça fait 2 ans que j'ai suivi un atelier et j'ai su que j'étais Vent Blanc et que j'avais à communiquer. Et ensuite, à une année, il y a 2 ans, j'ai voulu faire le jeu. Le jeu de synchronicité? Le jeu de synchronicité avec ma famille et j'avais tout préparé. Une petite bannière comme celle-ci avec leur sigle. Et je leur avais laissé avec ça la signification que j'avais préparée. J'avais fait ça en petit parchemin. Et c'était ici. Et le rôle qu'ils avaient à jouer. Et ensuite, on a fait notre. C'était. Pour la veille de Noël. Et après, au réveillon, je leur avais tout donné leur petit papier. Et on a fait la chaîne du éclaquèche. La spirale de coopération. La spirale de coopération. Ah, vous étiez combien pour activer la spirale? Oh, on est... on était presque une vingtaine. Ouh, ça devait être magique, hein? Oui, très magique. Et les gens, ma famille était toute emballée. Mes nièces, mes neveux, c'était là. Moi, je suis qui? Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on se rend compte et que ça vient sur le sujet... Ben là, moi, je dis, je suis Vent Blanc. Est-ce que tu te souviens qui que t'es? Puis, ça se vient. Mais moi, je suis parmi des buts. Ça, c'est sûr, là. J'ai encore du travail à faire. Mais quand j'ai des amis, je leur demande leur date de naissance. Je calcule. Et avec ton aide, bien entendu, on a fait notre beau... On va regarder ça. Il est ici avec d'autres gens qu'on connaît. Regarde ici, tu en as plusieurs ensemble, là, hein? Regarde. Ah oui, ça c'est... Regarde ces gens-là, comment ils sont proches. Tu en as 3 ensemble oui, ici? Oui, ici, oui, oui. OK. Ici, là, on les a placés ici, sur la grande courte pointe aujourd'hui. Veux-tu, on va leur montrer? Bon, allons. C'est une belle bannière. Fait que là, ici, sur cette ligne-là, j'ai déjà 3 personnes. Ici aussi, j'en ai 3. Dis-moi, t'as l'air à connaître tous les noms. Est-ce que ça a été compliqué pour toi d'apprendre le nom des glyphes ou c'était facile? Non, c'était facile. Oui? C'est facile, oui. Ouais. C'est un jeu, puis... C'est vraiment comme la magicienne blanche. Non, c'est facile. C'est facile. Oui, oui, oui. C'est un beau petit jeu. Et puis maintenant, si tu te places devant ton... Place-toi devant ta tapisserie parce que tu ne t'attendais pas aujourd'hui à ce que ce soit tout placé ensemble. Hein? Non, du tout. Alors, quand tu as donné les glyphes à ta famille, c'était quoi la réaction des jeunes? Est-ce que les jeunes étaient intéressés par ça? Ah ben oui, parce qu'on est tous à la recherche. C'est quoi notre mission? Puis avec ça, ils se sont reconnus. Tu sais, ils arrivaient, puis là, ils lisaient le travail, puis ils disaient, « Hey! Mais ça me ressemble! Ah!
c'est ça que je fais, moi, tu sais. Fait que c'est comme juste pour les mettre plus en évidence, leur mission. OK. Quand tu leur as donné leur glyphe, là, comme l'abondance, je rêve l'abondance avec mon intuition ou j'égalise les opportunités, chaque personne a trouvé que ça avait une résonance avec qui il était. Oui. Puis les personnes plus âgées, elles? Ma mère, elle, justement, elle était fascinée par ça. Elle a embarqué dans le jeu, puis elle a... elle joue bien son rôle. Uh-huh. Oui, elle joue bien son rôle, ma mère. Dis-moi, Claudine, vent blanc lunaire, étant donné que ça a eu tellement de succès dans ta famille à Noël, penses-tu que les enfants du Québec seraient prêts pour un nouveau jeu comme ça? Oh, ben oui, puis moi, je vois ça dans les écoles. Si on pourrait l'intégrer dans les écoles, dans les classes, dans les jeunes enfants, parce que c'est... tout en étudiant, c'est un jeu, puis on collabore. Ensuite, on fait une chaîne universelle avec ce jeu-là. Puis, je pense que ça aiderait les gens à une nouvelle conscience. Tu sais, avec les mots-clés, c'est simple, c'est coloré, puis c'est plein de... tu sais, de figures, là, de bonhommes, qu'on pourrait dire, là. Fait que les gens, les enfants adorent ça. Mm-hmm. Ils sont faciles à dessiner aussi, hein? Ça a été simplifié, justement, avec les mots, les dessins, pour que ce soit accessible pour tout le monde, à tous les âges. Oui, oui, oui. Je crois que ça serait le bienvenu. Mm-hmm. Toi, si tu avais su ça là, quand tu avais 7-8 ans, là, que tu étais le vent blanc lunaire, puis que tu étais bonne pour polariser les défis, puis... penses-tu que ça t'aurait aidé, ça, dans ton enfance? Oui. Oui, oui, oui. Ça m'aurait aidé à m'extérioriser. Parce que j'étais une personne renfermée. Et je me rends compte que de plus en plus, avec les ateliers, puis aussi, quand j'ai su que, justement, qu'il fallait que j'étais ici pour communiquer, là, je parle plus. Et je communique, dans le fond, mon enseignement. Mm-hmm. La sagesse. Oui. Donne forme afin d'inspirer, d'influencer avec ma sagesse. T'as-tu senti la... Oui, parce que j'ai du travail à faire, puis j'ai des défis. Puis on dirait que c'est en train de se mettre en place. Ah, nice. Oui. Okay. Donc, ça peut aider pour nous de comprendre les cycles qu'on vit, hein? Puis notre famille aussi, ça nous aide à être plus, peut-être honorer plus les cycles des autres quand on comprend ce qu'ils sont en train de vivre, hein? Oui, oui. Uh-huh, uh-huh. Donc, en psychologie, ça peut être très utile, ça, pour les professeurs, hein? De, ah, tiens, j'ai un petit enfant qui est dans tel cycle. Ah oui, sûrement. Mm-hmm. Sûrement. Mm-hmm. Alors, toi, est-ce que ça te donne le goût d'expérimenter avec les enfants? Oui. Ah, uh-huh. Parce que les enfants, tu sais, c'est de la spontanéité, hein, aussi. Fait que, puis ils ont une communication. C'est facile de communiquer avec les enfants. Ils sont plus libres, je trouve. Quel âge as-tu, toi, cette année, si tu permets que je te demande? Ben oui, 54 ans. 54 ans. Alors, tu es devenue une elder, on pourrait dire une mage à 52 ans. Donc, tu fais maintenant quel cycle? Le deuxième cycle. Tu fais la même année que quand tu avais 2 ans. Oui, c'est ça. Uh-huh, uh-huh. Ce qui fait que quand on a, mettons, 62 ans, on fait 62 moins 52, on est en train de faire le cycle quand on avait 10 ans. Alors, on se retrouve tous, les grands-parents, à refaire notre enfance en même temps, presque nos petits-enfants. Uh-huh. C'est cute, hein? Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'on a le goût de jouer avec eux autres. Puis, Alors là, plutôt que de s'asseoir avec eux puis de jouer peut-être un jeu de Monopoly, qui est un jeu de compétition, on peut commencer à dessiner des glyphes puis jouer un jeu de coopération. De coopération. Mmh. Merci beaucoup de ton beau partage, en espérant que ça va inspirer d'autres grands-mères au Québec et partout sur la Terre à activer la culture de la paix galactique.